on vient de partir, on est sur la route. On va commencer notre trip en Lozère, dans le Gard et sans doute en Savoie, accompagné de Dan. Et comme on dit dans la famille, on the road again! Après 2 heures de route, nous voilà déjà sur les premières pistes. On entame la boucle lozérienne. C'est la première étape de notre road trip de cet été. Où ça, montre-moi. Là. Où? Là. Ah oui. Ça doit être une source. Une source qui devait approvisionner le mausolée, sûrement. Ou peut-être, c'est peut-être pour boire. Ah aussi, peut-être. Thank you.
les petites routes de Lozère. Par contre, on est dans le parc des Cévennes et c'est très très réglementé au niveau des zones de bivouac ou pour juste dormir. On est en belle galère et là il est 18h50, on n'a toujours pas trouvé notre lieu. Pas très simple de se maquiller en off-road en fait, mais j'y arrive ou pas. Ah putain, t'es dégoûté? Là il y a plein de zones de bivouac mais il est 14h45, c'est pas encore l'heure. C'est dommage parce que franchement, il y a de quoi faire. Regardez ceci, c'est pas beau.
Alors là, nous rentrons dans une ferme qui est typique d'autrefois. Ah, on va visiter, on verra bien, ça peut être intéressant, même pour les enfants. On notera que les bâtons sont en matériaux différents. Ah, regardez. Léonie, pièce zéro. Il y a une question. Restez là, Léonie. Une demi-heure. Travailler le bois, le fer et la pierre. C'est mon grand-père qui lui a tout appris. Donc là, c'était l'atelier. Où il fait frais? Alors, les sabots, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. On vient de visiter la ferme Cossonarde d'autrefois. On est arrivé pile poil puisqu'ils étaient en train de préparer la cuisson du pain. Donc on repart avec notre petite miche de pain cuite dans le feu de bois. Et puis on a visité tous les bâtiments. Il y avait même un jeu pour les enfants, donc c'est assez éducatif. Et du coup les enfants ont gagné un verre chacun sur l'histoire de Jules qui nous raconte l'histoire de la ferme. Moi je dis Chine. Eh ben, Chine. Chine.